Salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour à Ubud oui. Pour vous montrer les plus beaux coins et les plus bons restos pour nous. Ouais. Donc aujourd'hui on est arrivé à Adiwana Resort. Oui. On a le petit déj. On va vous montre vous ça. Hello tout le monde, on est arrivé à, je sais plus le nom, Kampuan Ridge Walk. Voilà, ça va être trop beau. C'est une petite marche. Ouais. C'est une randonnée. Ouais, ça va être pas mal, on va vous montrer ça. Let's go. Alors ce midi, nous sommes à Tropical Hunt pour manger et nous avons commandé un cordon bleu, un burger, une boisson chaude apparemment super parce qu'ici ils font leur café sur place et un milkshake et des nems. Plus encore, donc on ça fait plusieurs jours qu'on est au bout, on n'arrive pas à filmer tout ce qu'on veut on et on ne sait pas si on va y arriver. Ouais, voilà, fait que manger. On ne sait pas si on va pouvoir finir ce vlog. Voilà, c'est la galère. Bon, du coup, on a pris la décision de partir. On est trop tristes. Et on reprendra ce vlog quand il y aura une meilleure météo. Voilà. Pas le choix. Bon, nous voilà en fait, pour vous 2 secondes, mais nous 3 semaines, après finir ce vlog à Ubud, parce qu'il a fait que pleuvoir. On est en pleine saison des pluies. Exactement. Donc, c'est la misère. Et on est revenu là, donc à Ubud pour le week-end de la Saint-Valentin et le week-end de nos 9 ans. Donc on va vous montrer bon, déjà l'endroit dans lequel on a choisi les 2 nuits pour la Saint-Valentin et nos 9 ans. Et ensuite, on va vous montrer donc enfin les incontournables d'Ubud. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon au petit déjeuner? Alors, un avocado toast avec un œuf poché, des pancakes, enfin un gros pancake à ce que je vois divisé en 4, avec des pains, des fruits, des jus frais de mangue et un cappuccino. Et voilà. Thank you.
Donc là, on est à Tegalalang Rice Terrace. On vient visiter parce que la dernière fois on était allé, on savait pas qu'on pouvait aller visiter les rizières. Donc voilà. Alors, là, nous sommes dans un endroit assez spécial puisque nous allons boire du café issu du caca de cet animal. C'est les Jojo qui nous ont conseillé ça. Ouais. Lui, il est bon. Mais en fait, ils me font finir par le pire, quoi. Petite précision, nous ne nous attendons pas à voir les loups en cage. Nous avons même souhaité arrêter la vidéo à ce moment-là. Donc nous avons demandé des explications à ce sujet et on nous a dit que les loups étaient capturés pour les soigner puisque c'était des loups blessés puis relâchés. Mais nous ne savons pas si c'est la vérité. Donc voilà, je tenais à vous donner cette explication. C'est parti pour le café. Je le goûte sans le sucre avant. Ouais. Mais non, viens, je mets un peu de sucre. Je vais mourir sinon. Bon allez, non. Sans le sucre, c'est parti. Ils sont très forts. Attends, il est hyper chaud. Allez. Un, deux, trois. Non, ça va. Franchement, ça va. C'est bizarre de dire que tu manges un café qui est issu du caca d'un animal. Tu manges, tu bois. Non, franchement, ça va, c'est bon. It's good. Attends. Bon, finalement, il va goûter le café. Allez, c'est parti. Moi, j'aime pas. Bah, après, ouais. Conclusion. On pense que y a du sucre partout dans les mini cafés, donc après, c'est forcément bon. Non, si, c'est très, très sucré, mais c'est trop bon. Et le café, donc, du caca de Luwak, franchement, pour moi, ça ressemble au café normal. C'est bon. Hein ? Il goûte à tout. Aujourd'hui, on va faire le tour de quelques cascades. Mmh. On vous laisse avec les images. Donc on vient de se baigner dans la waterfall. Ok, ça tombe en beau. Et ils sont là pour vous faire les vidéos et les photos, ils sont super cool. Trop sympa. Et ils font des super photos. Donc après ces deux waterfalls, on est un peu fatigué, du coup on va pas finir aujourd'hui. Du coup on a cherché une petite nuit pas chère et on a essayé de trouver un truc vachement bien. Ouais. Et on l'a trouvé un peu par hasard. Ouais, par hasard. On s'est arrêté pour travailler voilà. Dans un endroit, dans un café. À chaque fois que je voyais du monde travailler, je me suis dit la wifi elle doit être bonne parce que je dois faire les bilans avec mes élèves. Et là, on s'est dit ah ben tiens, il y a un truc à de location, on va voir combien c'est. Et super pas en cher. En fait c'est super, c'est voilà, c'est 12 ou 14 euros la nuit, quelque chose comme ça, je vais mettre le prix. Mmh. C'est juste à côté de la Monkey Forest, on a la vue dessus. C'est ça. Et c'est très grand, il y a même une mini salle de sport en plein air. Ouais, on va vous montrer. C'est super top. Mmh. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à commenter et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo à Bali.